5 défis pour déterminer qui sera le gagnant et qui remportera le grand prix de 1000 dollars. Pourquoi si peu? Herman, donne 1000 dollars. Voilà, merci. Regardez, les amis. C'est vraiment rien du tout. On pourrait avoir plus. La couverture sale de mon bassin coûte probablement un demi-million. Mais je suis pas là pour l'argent, je suis là pour la victoire. Vous avez compris? Et moi, je suis vraiment heureux. Et je vais m'acheter un nouveau pantalon et un t-shirt à la mode. Et ouais, vraiment cool. Les amis, aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que j'ai eu ce ticket, voilà. Qui m'a permis d'être dans le bassin riche aujourd'hui. J'ai même mon propre assistant, vous imaginez? Il s'appelle Herman. Il peut vraiment tout faire. Et en fait, je plains un peu Artyom. Il est littéralement assis dans la boue aujourd'hui. Regardez ce que j'ai là, les amis. Et j'ai eu le ticket pour le bassin pauvre. Et j'ai juste cette roue ici. J'essaie habituellement de nager avec, mais si elle ne coule pas... Enfin, elle coule toujours. Herman, mais je t'avais demandé de jeter cette bouée. Pourquoi tu l'as donnée à Artyom? Bah, j'ai cru que c'était une poubelle, quoi, voilà. Donc, les amis, commençons par le premier micro-défi. Il s'agit pour les gars de s'adapter à ces piscines. En gros, ils peuvent partager quelque chose de leur piscine avec l'autre. Par exemple, faire quelque chose de bien ou de mal. En gros, c'est... sur leur conscience. Écoute, Macha, c'est un excellent défi. Herman, aidons un peu Artyom pour qu'il soit pas aussi pauvre. Et je vais aussi lui donner un peu d'argent, mais juste un peu. Bah, pour l'instant, il peut ramasser ce que t'as déchiré. Qu'il colle, quoi. Herman, mais ce sont des billets déchirés. Donne-moi de nouveau. Oui, bien d'accord. Mais combien? Un peu plus. Il a vraiment besoin d'argent. Regarde-le, il est vraiment super pauvre. C'est comme ça. Ça va, là? 30 000, ça ira. Et maintenant, nous allons aider Artyom. Il s'est riche et c'est toujours d'embêter, les amis. Et comment je peux améliorer sa piscine? Et vous avez vu à quel point il est riche. Honnêtement, je suis un peu triste, mais j'ai une mauvaise blague pour lui. Oh! Vous avez vu, c'est une crotte. Et je pense que cela aurait l'air bien dans sa piscine. Mais le plus important, bien sûr, les gars, et c'est qu'elle est fausse. Et je pense que c'est une belle farce. Hop là. Herman, qu'est-ce que c'est dans mon verre? Mais c'est de la merde, ouais! Il faut l'enlever! Remettez-la, Artyom! Il semble qu'elle soit un peu fausse, en fait. Reprends-la, si tu te fais, je serai obligé de prendre des mesures. Et on va rigoler après, tu vois, tu me fais gaffe à moi. Non, 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 Herman, pas besoin, pas besoin. Laissez-le juste sans argent, voilà. Mettez ça dans ma banque, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste faire une blague. C'est une bonne plaisanterie. J'ai beaucoup de choses, là. Bon, nage, mon petit canard. Oh, il a coulé, il coule toujours. Artyom a de drôles de canards. Pas trop, je crois qu'il y avait une petite merde. Prenez, Herman, terminez-le. Ça suffit, je pense que vous êtes habitué maintenant, donc commençons par notre premier défi. Hop, notre premier défi s'appelle... bataille d'eau. Je vais donner des pistolets à au gars. Voici pour Bruno. Oh, il est vachement cool ce pistolet. Et ça c'est pour... Et pour moi, et pour moi. Artyom. Oui, bah regardez, et celui-ci est vert, il est cool. Et c'est même écrit water dessus. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, les gars vont choisir avec quelle eau ils vont tirer. Eh ben, je vais choisir au milieu, bouillante. Artyom, je vais te tirer dessus avec de l'eau bouillante. Et je vais frotter ma bouée pour la chance. Mais est-ce que ça va vraiment aider? Une glacée. Et je vais te tirer dessus avec de l'eau glacée. Oh, je sens que le bac devient vraiment chaud. Doucement. Là 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 là. Voici le pour Artyom. Mais Ça coule, ça coule. Et dans la piscine là, les gars, en plus il fait froid. Bon, c'est bon. Oh Bruno, on va vérifier maintenant. Alors, t'es prêt? Je suis toujours prêt aux difficultés parce que j'ai Herman. Herman. Ouais ouais ouais. Allez allez allez, ouais comme ça. Prends ça toi. Et c'est pas juste. C'est toi qui devrais tirer. Et maintenant tu vas voir. Prends ça, prends ça. Hey, Herman, faites quelque chose, vite. Allez, il me tire dessus. Prends ça. Hey, et c'est pas juste. Et comment ça? Ouais. Et je n'arrive pas à toucher Bruno. Et où est ton assistant, pauvre, hein? Et c'est pas juste, il m'empêche. Et il m'empêche, c'est pas juste. Les règles ne l'interdisent pas, continuons.
Super Herman, excellent travail. Et c'est fini. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Mais j'ai une poubelle ici. Et voilà, regardez, une bouteille. Et je vais lui montrer là. Bon, allez, le pneu, allez de moi. Ah, t'aimes pas l'eau, pauvre, hein, tiens. Oh, c'est bon, arrête, Artyom, c'est bon. Comment ça, t'as compris? Il est où? C'est fini, le premier tour est terminé. Alors, bien que ça me peine d'admettre ta défaite, mais t'as perdu parce que tu t'es rendu et Artyom a gagné. Je me suis rendu parce qu'il a triché. La victoire est à moi. En fait, tout était juste. Et il n'a vraiment aucune règle, donc Solingo d'or revient à Artyom. Incroyable. Les gars, regardez. C'est vraiment de l'or. Tout l'or doit être à moi. J'ai même de l'or dessiné sur mon ventre, voilà. Si tu dis que tout l'or devrait te revenir... Bien sûr. Non mais alors, pourquoi tu perds? C'était facile. C'était facile? Tu sens comme ça pue! Maintenant ma piscine est aussi puante! Tout à cause de son eau puante qu'il a versée ici! Et mon nom est normal! Et j'aime beaucoup ma piscine, moi! Je propose de commencer le prochain défi! Alors, le prochain tour, c'est l'eau flotteur. Le but de ce jeu est que vous restiez le plus longtemps possible sur l'eau. Chacun de vous aura des brassards personnels et avec le raid, vous allez jouer en fait. Et je n'ai même pas besoin de brassards, mon pneu me tient bien là. Et tu vois, oh, regarde. Et t'as vu? C'est bien aussi, mais t'auras en fait des sacs. Herman, où sont mes brassards dorés? Voici, patron. Voilà, en or pur. Allez. Commandez de Dubaï, mec. Et comment puis-je gagner? Et j'ai un pneu, mais tout ce qui est en or... Cool. Et comment l'or peut-il flotter? Et ça doit être l'or très cher. Herman, le quatrième brassard, il est pour ma jambe. Mais je crois que j'ai oublié votre mébac. Je reviens tout de suite. Herman, plus vite, plus vite. Et maintenant qu'il va chercher le brassard, et je vais lui proposer quelque chose. Voilà, il est pour lui là comme ça. C'est quand même impressionnant. Et tiens, et dis-moi, tu veux faire plaisir à ton patron et pour qu'il kiffe bien? Bien sûr, je veux. Et je peux te dire comment le soigner. Regarde, tu prends ce lingot et tu le fixes d'une manière ou d'une autre au brassard. Et ton patron dira sûrement waouh, il adore l'or. Et tiens, c'est sûr, ouais. Et vous savez, les gars, quel brassard? J'ai des sacs poubelles. Mais pourquoi t'as pris si longtemps? Il y avait des embouteillages, Bon, puisque tout le monde est prêt, alors commençons. Allez, patron, la victoire sera pour vous, quoi. Voilà. Oh, Herman, regarde, je flotte sur l'eau. Mais pourquoi ma jambe gauche me tire vers le bas? Écoutez, Herman, je crois que je vais perdre. Oh, ça tient vraiment. Et les sacs poubelles ne sont pas si mauvais. Regardez, et je flotte vraiment. Mince. Bruno perd. Ouais, mon plan a marché. Comment ai-je pu perdre? Qu'est-ce qui ne va pas avec... Herman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu l'as mis ici? C'est l'idée d'Artyom, c'est lui qui m'a forcé en fait, voilà, c'est pas moi. T'es vraiment stupide! Artyom est mon concurrent! Bien sûr, il t'a dupé! J'espère que les gars ne se disputeront plus. Et maintenant, nous commençons le troisième défi. Le but est de faire du... sap yoga. Voilà mon sap, je vais montrer tes poses et vous aurez vos propres sapes. Herman, tu peux apporter les sapes des gars, s'il te plaît? Mais bien sûr, je suis plus fort, moi, les gars. Merci. Mais où vas-tu? Arrête, Herman! Macha, c'est quoi ce truc? Pourquoi il part, Herman? Allez, Bruno, regarde comme ton sap est beau. Pose-le ici, Herman. Wow, un vrai sap. Fais attention, patron. Pourquoi tu ris, toi, le garçon avec un pneu? Tu feras du yoga sur ton pneu. T'es nul. Moi, c'est pas grave. Moi aussi, je vais participer. Je vais aussi avoir un sub super cool, tu vas voir. Ben, voilà ta boule, mon grand. En bois. Oh, c'est trop cool. Et je vais pouvoir sauter dessus carrément, vous imaginez? Allez, Macha, quelle pose allons-nous faire? Alors, la première pose est comme ça.
Mais facile. On va essayer. Herman, tiens-moi si nécessaire. Comment super. Tu trouves J'ai réussi la pose. Et là, je vais battre ce riche. Et c'était presque. Oui, globalement, tout le monde y est arrivé. Le principal est que vous avez réussi la tâche. Donc la prochaine pose sera plus difficile. C'est comme ça. Et je vais le faire en premier. Et les deux jambes comme ça. Hop là. Et je l'ai fait. Écoute, honnêtement, c'est pas terrible. Maintenant, je vais montrer comment faire. Allez, Herman, tiens-moi. Voilà. Et il a coulé. Mais arrête de filmer, toi. C'est bon, j'ai réussi. Et ça compte pas. Bon, en principe, vous vous êtes tous stabilisés pendant un certain temps dans une pause. Mais c'est un match nul. Donc nous faisons le troisième et le dernier tour pour déterminer le vainqueur. Herman, je vais perdre. Ma planche est cassée. Tu seras ma planche. Allez, allonge-toi, je vais me tenir sur toi. Oh, mais pas trop, moi je sais pas du tout nager. Je vais couler dans cette piscine. Et pourquoi je te paye de l'argent alors? Alors la dernière pose est comme ceci. La pose du loto, c'est sur le sap. Bon, comment ma chère monter? Et voilà, et là, et... Et c'est bon, j'y arrive. Et je suis debout. Oh. Et j'ai réussi. Mince, les gars, il faut pas qu'Artyom gagne. Mais j'ai un plan. Quand ils ont installé ces piscines, j'ai demandé à mon assistant Herman de faire un passage secret. Je pense qu'Artyom ne voit pas. Maintenant, nous allons réparer sa planche. Et pourquoi ça coule? Oh, d'où vient ce trou là? Et c'est machin qui m'a donné un mauvais rond. Ce n'est pas vrai, en fait tout était de qualité, beau. En fait, admets ta défaite. Oh, je suis sûr que Bruno a tellement d'argent qu'il a pu acheter l'animateur. Ce n'est pas vrai, je suis incorruptible, je suis très honnête. J'ai tellement travaillé pour préparer ce défi pour vous. Pourquoi tu dis ça sur moi? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Mon cercle s'est dégonflé tout seul ou quoi? C'est sûr que tu as arrangé ça. Pourquoi j'aurais truqué si je voulais que vous jouiez? Je voulais faire quelque chose de bien, de bon, et finalement, tu m'as blâmé. Mince, les gars, je crois que j'ai mal agi. J'ai juste mis Macha dans une situation délicate. Maintenant, je me sens mal et je vais probablement avouer. Artyom! Et qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui ai percé ton cercle, pas Macha. Comment ça, toi? Et comment tu es arrivé dans ma piscine? Mais il y a des passages secrets, sous-marins. Mais c'est pas important. L'important est que Macha n'est pas fautive. C'est moi qui ai mal agi. Pardon. Alors, tu as mal agi. Et à cause de toi, nous avons blessé Macha. Et regarde comme elle est triste là-bas. Hé Macha, en fait, c'est Bruno qui a fait tout ça. Ne sois pas triste et désolé de t'avoir accusé. D'accord, je te pardonne. Les gars, en fait, je savais que c'était tout Bruno. Je voulais juste qu'il se réconcilie. Et maintenant, nous pouvons organiser le prochain défi. Les gars, tout va bien? Et je propose de lancer le prochain défi, le quatrième. What? Alors, le quatrième défi est le lancer de débris. Le but est que vous, les gars, mangiez des bonbons que je vais vous donner et que vous vous jetiez des emballages. Celui qui aura le plus de déchets dans sa piscine perdra. Maintenant, je vais vous donner les accessoires. Voilà pour toi, les bonbons. Artyom va perdre tout de suite, il a déjà plein de déchets. Et voilà, les tiens. Et merci beaucoup, Macha. Et quelle belle et riche friandise. Et c'est comme si c'était Noël. Ah, c'est délicieux. Et voilà un emballage pour toi. Wow, les gars, regardez. Tout ce qui entre dans ma piscine riche devient doré et riche comme moi. C'est marrant, Herman. Tu peux manger les bonbons et faire des emballages pour moi? Les amis, moi aussi, quand je suis entré dans cette piscine, je suis devenu très riche. J'ai même eu Herman comme assistant. Cette transformation se produit avec tous les objets et les gens. Pendant que Bruno vous expliquait quelque chose, je presque mange la moitié de l'assiette de ces bonbons. Heureusement que j'avais l'eau dans ma botte. Je pouvais boire. Alors, tiens ça.
Artyom, tu rends ma piscine seulement plus riche parce que tous ces emballages se transforment en or. Je me demande comment fonctionne ta piscine. Herman, t'as fini les bonbons? Oui, pas trop, ouais. Allez, je vais essayer. Maintenant, je vais jeter un emballage à Artyom. En quoi va-t-il se transformer? Tiens! Eh bien, un emballage comme les autres. Oh, c'est quoi ça? Et les gars, il semble que dans ma piscine, c'est tout le contraire. Ces emballages se transforment en déchets encore plus grands. Herman, donne-moi plus d'emballages. Maintenant, tout sera rempli de déchets chez toi. Ah, tiens. Oh, et quelle puanteur ça encore. Non, chez moi, il y a tellement de nouveaux déchets à cause de toi ici. Et maintenant, prends ça. Ah, allez, jette Artyom. Tout cela va maintenant se transformer en or. Oui, tu me rends seulement plus riche. Et tiens, ouais, un pneu doré. Wow. Maintenant, tout cela va se transformer en or dans ma piscine riche, parce que tout se transforme en or. Attends. J'ai peur que ça ne se transforme pas. Non, ça va se transformer. C'est ma piscine. Tout se transforme en or ici. Attends, tout cela va devenir de l'or. Allez, pneus, pourquoi tu changes pas? Les emballages, j'avais commandé chez un magicien, mais les déchets normaux ne se transforment pas en or. Alors reprends tout ça. C'est tout, Artyom a gagné, le temps est écoulé. Mais c'est pas juste, on devait jeter des emballages. Ce sont juste les déchets d'Artyom de sa piscine. Non, parce que dans les règles, on pouvait jeter des déchets. Et les emballages sont des déchets et les pneus sont des déchets. Tout est compté selon les règles. Et tiens, t'as compris? Au moins, j'ai pu te battre quelque part. Des déchets, j'en ai à revendre. Et tu peux juste me rendre le pneu? Tiens, prends-le. Et c'est mon porte-bonheur. Je voulais dire qu'Artyom a gagné l'aide d'un ami dans ce tour. Et cela sera très utile dans le prochain et le dernier défi. Je suis ami avec Artyom, mais je vais pas l'aider. De toute façon, il n'a pas gagné cette aide. Et voilà, mon ami. Il ne m'abandonnera jamais. Alors, le tour final. Le déjeuner, vous allez sûrement aimer parce que le but est de manger le plus rapidement possible dans vos piscines. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé seulement des bonbons, mais les sucreries, c'est de la nourriture. Et j'aimerais bien manger quelque chose de bon. Écoute, je ne dirais pas non à un repas. Je voudrais aussi rappeler que le gagnant recevra 1 000 $. En attendant, Herman, apporte-leur de quoi manger, s'il te plaît. Et maintenant, j'ai ma table ici. Voilà. À table. Ça, c'est pour les pauvres, ça. Oh, oh la vache, c'est pour les pauvres. J'ai peur d'imaginer mes nouilles, je suis affamé. Allez, Herman, mes nouilles, plus vite. Alors pour toi, patron, voici pour toi. Une glace de tout en or, juste pour la regarder. Mais je déteste la glace. Au moins, essaie, peut-être que tu aimeras, non? Bon, d'accord, je vais essayer de la manger vite. Elle est en métal. Comment manger cette glace? Ou peut-être que tu devrais juste la lécher, en fait. D'accord. C'est quoi cette merde? Elle a un goût horrible. Eh bien, tout a ses avantages et ses inconvénients. Et les gars, j'ai fait exprès aller avec les portions parce que si vous ne mangiez pas tout en 3 minutes, les 1 000 $ reviendront à moi. Et maintenant, commençons. Alors, comment est cette glace en or? Merci. Et je commence. Hé, Herman, allez, aide-moi, lèche. Oh, d'accord, je vais essayer, ouais. Allez, prends-en quelques-unes. Essaye de les manger. Nous ne devons pas perdre. Ah, mais c'est dur. Je n'en peux plus. J'ai mangé la moitié de l'assiette. Je ne peux plus rien avaler. Macha, et tu te souviens que j'avais l'aide d'un ami? Tu peux m'aider? Tu es aussi mon ami. Oh, Artyom, je suis en plus d'être ton ami l'animatrice, donc je ne peux pas t'aider. Peut-être que tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va appeler pour nous parce que j'ai créé ce bonus pour qu'il se réconcilie, en fait. Exact. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à finir tout ça? Oh oui, bien sûr, j'ai tellement la dalle. Attends, ne pars pas, j'y vais. Bon d'accord, je vais finir la glace alors. Tiens, finis-la, elle n'est pas bonne de toute façon. Je vais t'aider à gagner ce défi, allez.
Et pourquoi tu veux m'aider? Et je vais gagner les 1000 $, moi. Oui, mais il faut bien que l'un de nous gagne. Que ce soit toi, Artyom. D'accord, allons-y. Allez, bouffe, allez. Mais c'est fini! Le gagnant est Artyom et il reçoit les 1000 $. Ouais! 1000 $! Nous n'avons pas besoin d'argent avec le patron. Nous, on a déjà assez, ouais. Ouais, écoute, tu peux me donner quelques billets? Oui, patron, désolé. Tu as dit que c'était mon argent qui restait, donc résous tes propres problèmes et moi, je me casse. Allez, salut, bon courage. Ah, je savais qu'il était avec moi juste pour l'argent. Les gars, s'il vous plaît, mettez plein de likes sous cette vidéo pour que Macha participe aussi au défi des piscines. Elle veut participer aussi. Mais d'accord, les gars, partageons ces 1000 $ et allons manger un bon repas. En attendant, cliquez ici, regardez cette vidéo. Oui, allez les amis, ajoutez des likes, allez dessus. Et je te dis, clique vraiment. Vas-y, appuie. On se retrouve là-bas, à bientôt.